Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Jésus nous a parlé du mercenaire dans Jean 10, au verset 12. Quand il voit le loup, l'employé, celui qui n'est pas berger et pour qui il ne s'agit pas de ses propres moutons, s'enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s'en empare et les disperse. Vous, par exemple, à la maison, vous avez un mari et monsieur a une épouse, par exemple. Vous avez des enfants, vous êtes le pasteur de la maison. Si vous n'êtes pas chrétien, elle est le pasteur alors. Alors, le loup est en train de détruire le fils avec la pornographie, avec la malhonnêteté, les drogues. Et vous dites, ah, mon fils, sors de la maison, ne faites pas cela. Vous avez l'autorité pour entrer face à Dieu et dire alors, « Dieu, je ne suis pas un mercenaire ou une mercenaire, je suis pasteur. Je vais réparer tout cela, donnez-moi la houlette à présent, je vais utiliser la houlette et je vais expulser ce loup. Et alors il ne pourra pas me retirer mon fils, ma fille, mon mari, ma femme. » Et voyez, Dieu va faire alors de grandes choses à travers vous, oui, mais il faut être pasteur au nom de Jésus de Nazareth. Regardons cette personne qui a été bénie. Je ne pouvais même pas marcher toute seule. Je marchais comme ça, ainsi, sans canne, sans rien. À présent, mais il se trouve que des vertiges me saisissaient. Oui, beaucoup. Vous avez des vertiges maintenant? À présent, je ne suis pas assez étourdie. Eh bien, c'est terminé maintenant. Gloire à Dieu. À présent, je veux prier avec vous. Père, au nom de Jésus, nous prenons à présent la houlette du pasteur, hein, qui est Jésus. Et cette fois-là, cette autorité, ce nom, Père, pour pouvoir détruire le mal alors qui essaie de dominer notre fils, notre fille, notre mari, notre femme, Dieu, qui essaie de dominer le père et la mère, qui est en train de dominer nos petites brebis. Et nous disons alors à présent, sors de là, que soit maintenant défait alors tout le mal, au nom de Jésus-Christ. Et voilà, pasteur de Jésus, soyez tous bénis.